Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons télécharger Mailbet sur iPhone. Pour ce faire, nous allons donc nous rendre dans les paramètres de notre iPhone comme ceci. Ensuite, arrivé ici, nous allons cliquer sur notre compte tout en haut. Pour ce faire, nous allons donc nous rendre dans l'App Store. Ensuite, arrivé dans l'App Store ici, nous allons donc taper Mailbet. Voilà, nous allons taper Mailbet, nous allons donc lancer la recherche. Et quand nous lançons la recherche, nous pouvons donc voir que nous n'allons pas retrouver Mailbet. Et maintenant, pour donc pouvoir télécharger Mailbet, nous allons donc nous rendre dans nos paramètres, ensuite cliquer sur notre compte. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc cliquer sur contenu, multimédia et achat. Voilà, nous allons donc cliquer dessus. Voilà, quand nous cliquons dessus, nous allons donc ensuite cliquer sur compte. Nous allons donc arriver ici dans notre compte. Ici, dans le compte, nous allons cliquer sur pays et région pour donc changer notre région. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons cliquer sur modifier le pays ou la région. Nous allons donc arriver ici. Arriver ici, nous allons rechercher le pays Égypte. Voilà, nous allons donc cliquer sur Égypte. Nous allons ensuite patienter. Nous allons donc arriver ici. Arriver ici, nous allons donc remplir. Nous allons donc accepter d'abord. Donc voilà, nous allons cliquer sur accepter tout en haut à droite. Voilà, après avoir cliqué sur accepter, nous allons donc atterrir ici. Arrivé ici, nous allons donc remplir ces informations ici, le numéro de téléphone, tout cela. Nous allons donc remplir ces informations. Entrer notre la ville, nous allons mettre Caire, la ville, nous allons mettre Caire, le gouvernement, nous allons mettre le Caire aussi. Voilà, vous allez donc entrer ces informations comme ceci. Et ensuite, après avoir fait ça, nous allons cliquer sur terminer et ensuite changer la région de notre de notre compte. Ensuite, après avoir fait cela, maintenant nous allons donc repartir dans notre App Store. Voilà, nous allons donc retourner en arrière, aller dans l'App Store. Voilà, arrivé dans l'App Store ici, nous allons taper dans la barre de recherche et nous allons donc rechercher Mailbet une fois de plus ici. Voilà, nous allons donc taper Mailbet et nous allons lancer la recherche. Et quand nous lançons la recherche, nous pouvons donc voir que nous voyons donc Mailbet maintenant et nous allons donc pouvoir maintenant télécharger en cliquant sur obtenir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile.